Wesh les gavardinho, on est en direct de la vidéo. Non, je rigole, je fais pas ça quand j'enregistre les vidéos. Surtout que là, je recorde même pas. Salut YouTube, salut le stream, salut tous les cafardinos qui sont hal. Alors aujourd'hui, on vient de découvrir un bug insane, a glitch fucking shit on CSGO. Je ne troll pas, c'est vrai. Donc j'ai découvert hier et je l'ai utilisé aujourd'hui. Un énorme bug ou une faille, on va dire une fragilité dans le jeu. Donc je vais vous l'expliquer un petit peu théoriquement et je vais vous montrer plusieurs exemples. Donc là je suis avec Sply par exemple, on est en plein stream. Donc bisous à tous les viewers qui sont là. Salut. Lâchez des donations. Allez. Donc le modèle que vous voyez là, il a deux yeux. Mais en réalité, le jeu, en fait, comment il a été développé, c'est que la caméra, en fait, elle est sur l'œil à droite. Donc, je vais vous expliquer un truc. Quand on se met au centre de l'écran, c'est mon œil droit qui voit. Donc là, en gros, il y a un tiers de mon corps qui sort. Alors que quand je suis de l'autre côté et que là, c'est mon œil gauche, là, il y a les deux tiers de mon corps qui sort. C'est une énorme faille dans le jeu. Qu'est-ce que ça change? Ça change que dès que vous décalez sur la gauche, 8 fois sur 10, perdre votre duel. Et si vous décalez sur la droite, vous allez 8 fois sur 10 gagner votre duel. Et ça marche dans les deux sens. Surtout le fait que, bah, avec la rapidité des skins, la vélocité, le fait aussi qu'il y ait l'interpolate, l'interpression, etc., le ping, le netcode qui rentre en compte avec la connexion internet, etc. Donc c'est un peu moins prononcé en LAN, mais ça arrive pour de vrai assez souvent, de toute façon. Et les joueurs pros l'utilisent, je m'en suis rendu compte, bah, aujourd'hui. Il y a Guardian qui l'utilise énormément et il y a tous les SK Gaming et notamment Coldzera qui l'utilisent, qui prennent quasiment aucun duel sur leur gauche. En tout cas, dès qu'ils ont un duel sur leur gauche, ils essayent pas de le prendre et dès qu'ils ont un duel sur leur droite, ils essayent d'en abuser. Donc je vais vous montrer un truc très rapide. Donc là par exemple, si je prends et je pique comme ça, en fait le mec n'a pas le temps de me voir et je peux le tuer. Si je pique comme ça et que je tire, donc là je vais faire DQ et je vais revenir DQ. DQ, 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 DQ. Il faut vraiment travailler, ça décale, ça micro décale. Parce que en fait à ce moment là, il n'y a que un tiers de mon corps qui sort. Alors que lui par exemple, je vois beaucoup de son corps. Donc là, bon, il serait mort, vous avez entendu le casque. Mais il n'a pas le temps de me voir. Et si je le tente sur la gauche, merci Zagara pour le don mon frérot. Et si je le monte sur la gauche, là c'est beaucoup plus lent en fait. Vous vous en rendrez même compte tout seul. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Peut-être à la WAP. Give weapon. À la WAP. L'acheter. Peut-être que vous allez le voir à la WAP. Si je décale à gauche, c'est beaucoup plus lent que si je décale à droite. Vous voyez la rapidité de... C'est direct. Alors que la gauche, c'est beaucoup plus lent. C'est le fait que la caméra, il y ait deux tiers contre un tiers, etc. Donc c'est un énorme bug et... Bah par exemple quand SK Gaming ou Guardian ou machin, si Guardian il sait qu'il est ici et qu'il a un duel à jouer pour une décale, il la prend jamais. Il garde la ligne en fait. Alors que quand il est sur sa droite, bah là il va prendre ses décales. Et il va redécaler et il va retravailler les décales. Je vais vous donner même l'exemple d'Happy par exemple là, qui est là au Deagle et qui pique, et qui pique, et qui pique, et qui pique, et qui pique. Genre il est jamais vu. En réalité, sur la caméra des autres, ils le voient même pas, ils ont même pas le temps de, on voit juste un bout de bras, d'avoir le réflexe. Tu vois que un tiers de son corps. Alors que sur la gauche comme ça, c'est quasiment impossible d'enchaîner les clips. C'est un énorme bug du jeu, énorme faille du jeu en réalité. Et je vais vous donner un exemple. Là moi je ne vois absolument rien. Et on est d'accord que toi tu me vois. Je vois même jusqu'à gauche de tes couilles. Hein. D'accord. Voilà. Donc si là le mec décale sur sa gauche, bah je le vois en fait. Systématiquement. Vous vous rendez compte ou pas? Genre je vois les deux tiers de son corps. Ouais. C'est pareil là vu que je décale aussi sur la gauche. Donc par exemple si vous êtes un awapper et que vous avez la ligne genre là ou des trucs comme ça, bah vous allez systématiquement mourir. Tu vois, enfin c'est cool d'avoir découvert ça. Je suis quand même un peu en colère de faire cette vidéo quand même parce que bah c'est relou. On fait pas des donations nous. Merci Squall, merci Zagara, merci tous les frérots qui font des dons. Donc voilà, c'est très utile de le savoir parce que ça va changer votre manière de jouer vos duels. Donc je vais vous expliquer un truc très simple. Coldzera par exemple il joue le B. Et tous ses duels, ce petit con, il les prend jamais à gauche. Donc là il les prend jamais comme ça par exemple. Merci Sony. Merci Sony. Donc là par exemple les duels à gauche comme ça faut jamais, quasiment jamais les prendre. Alors que là à droite vous voyez ça va beaucoup plus vite. Que à gauche c'est beaucoup plus lent.
Voilà. Et si vous avez l'arme à gauche ou pas l'arme à droite ou à gauche, ça ne change absolument rien. C'est la physique du jeu. C'est vraiment dans l'architecture du jeu comment il a été développé. C'est comme ça. Donc, toutes les décales à gauche comme ça, vous le sentirez vous-même quand vous irez en serveur. Les décales à gauche, t'as l'impression d'être lent en fait, d'être lent de ouf. Voilà, genre là, moi je suis là comme ça, lui il me voit. Tu me vois là? Là, je te vois. Là, tu me vois? Moi je te vois pas, je te vois pas, je te vois pas, je te vois pas, je te vois pas. Là, je commence à te voir. Là, je commence à te voir. Genre, et là, je peux te même vois pas te tuer. Jusque. Trois quarts. Enfin, ouais, vraiment trois quarts de quoi. Montre-le aux autres, montre-le aux autres. Ah, vous rendez compte? Genre, là, ou pas, je te vois pas. Genre, je vois les. Il va être trois quarts. Donc, imagine quand vous avez une ligne à la WAP ou des trucs comme là, ça. Et là, en fait, bah, un Coldira ou un Guardian, vu qu'il est au courant, vu qu'il est au courant de ce bug. Bah, il va pas le jouer sur la gauche, il est malin, donc il le joue sur la droite. Comme ça, lui, il garde sa rapidité et il vous baisse. Un exemple de là où souvent vous vous ferez avoir aussi, c'est sur cache dans le mid. Les gens qui décalent de votre côté gauche, en fait, vont plus souvent vous tuer que le mec qui décale du côté droit. C'est valable pour toutes les maps, c'est valable pour toutes les situations. Un duel à droite ou un duel à gauche, va falloir systématiquement les visiter. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de one action, des gros snipers qui sont pleines comme ça, qui décalent, qui redécalent. Qui redécale, etc. Et maintenant, on en voit beaucoup moins ici, par exemple. Genre, on le voit quand il prend un kill ici, après il recule, il reprend un kill ici, après il recule, et il prend un kill ici. Le gameplay, c'est ça. Quand on joue un duel sur la gauche, un Guardian, c'est exactement ça qu'il fait parce qu'il est vraiment au courant, ça se voit clairement. Donc à la WAP, c'est encore bien plus accentué que au Rift. Donc voilà, pour tous les snipers, faites gaffe à vous, changez un peu votre game style, votre gameplay. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Passez sur le stream, malexsgo.fr, on arrive 2018, c'est pas mal.